Donc qu'est-ce qu'on raconte? Je m'entraîne à faire des plans. Qu'est-ce qu'on fait là, Charlotte? Dis un truc. Space. Ok, donc je pense que le plus important, c'est de dire qu'on est deux architectes, qu'on vient juste de sortir de l'école et que bah pile, c'est notre laboratoire pour parler et faire de l'architecture. Elle, c'est Charlotte, moi, c'est Arthur. On s'est rencontrés sous une pyramide autour d'un petit ping-pong et depuis, bah, on s'est plus vraiment quittés. Même si en soi, on n'a jamais été très longtemps dans la même ville, car après cette année commune à Bordeaux, Charlotte, elle est partie au Canada et l'année suivante, c'était à mon tour de partir en échange en Norvège. Une fois nos masters terminés et le diplôme en poche, on s'est retrouvés par hasard, par chance ou par je ne sais quoi, à Paris. Et coïncidence ou non, et bah on bosse dans la même agence. Mais j'aime pas, attends, mets-toi de l'autre côté. Là, ce sera plus joli, ce fond. Tu t'as un peu préféré. Donc voilà le topo. On sort de l'école, on n'a pas d'expérience, on n'a pas de réseau, on n'a rien de spécial. Mais on a une ambition commune, l'envie de partager. Tous les jours avec le travail, c'est un peu le même schéma qui se répète et qui laisse peu de place à l'imprévu et à l'expérimentation. Et faire ces vidéos, pour nous, c'est un peu l'opportunité de cultiver ce regard utopique qu'on avait à l'école. C'est le moyen de redevenir léger, de se forcer à discuter, à rire, de parler de choses qu'on aime, tout en remettant l'architecture au cœur du débat. Parce qu'aujourd'hui, des débats, il y en a beaucoup, mais ces débats, ils touchent qu'un cercle fermé de professionnels et on pense que c'est pas normal. Donc pile, c'est le moyen de partager ce sujet à tous à travers des sujets qui nous inspirent. Parce que parler d'architecture, c'est pas que parler de projets rocambolesques, mais c'est aussi parler, je sais pas, de la maison de ta daronne, le stade où tu vas voir ton cousin jouer. Et vous dormez là les rouges ! Ou la salle de concert où tu vas voir Orelsan. L'architecture, c'est un sujet super sérieux, mais on aimerait pouvoir la raconter d'une autre manière. D'ailleurs, il y a des pionniers dans ce domaine, parce que nous, on n'a jamais inventé, c'est Archigram. Archigram, c'est un groupe d'architectes britanniques engagés des années 60-70 et qui a su complètement remodeler les manières de communiquer l'architecture pour la replacer dans l'utopie en faisant rêver les gens. Et nous, notre rêve, c'est de construire. Concrètement, ce qu'on veut faire avec Peel, c'est faire comprendre notre travail, tout notre processus de conception. On veut expérimenter, casser les idées reçues, débrider toutes ces problématiques auxquelles on fait face et le tout bah, dans la bonne humeur. Donc pour faire ça, on va faire des vidéos, on a commencé à apprendre la 3D, d'ailleurs chaque semaine on poste une image sur notre compte Instagram. Enfin, on sait pas exactement et précisément ce qu'on va faire, mais en tout cas, on compte bien le filmer. Nous, notre idole, c'est Etienne LGF, il a réussi à rendre son métier passionnant, on est super fan de toutes ces chasses au frelon asiatique, donc on espère qu'on arrivera à transmettre cette même passion. Bon, maintenant qu'on a dit ça, ça se passe chaque semaine, soit sur YouTube, soit sur Insta, et même sur TikTok, parce qu'on est jeune et branché. Voilà. Bon voyage ? Bon voyage. Attends, vas-y, on refait en même temps. Ok. T'es prête ? 1, 2. Bon voyage ? Oh, c'est pas ouf. On refait ?